Hop. Vous allez me dire si ça va mieux, si c'est pas encore ça. Et puis on verra après ce que ça donne. Alors, je vais commencer puisqu'on est sur une nouvelle console qui est la Neo Geo. Salut Karen! Bonsoir à toi. Donc je vais commencer par vous montrer bah, tout simplement la manette. Donc voici le pad arcade Neo Geo. Enfin, je me cache derrière, hein, il est grand. C'est un grand pad. Alors j'attends de voir si vous le voyez bien. Oui, vous le voyez bien. Tadam! Voilà, alors c'est ça, une tablette. Donc ça, c'est un pad arcade Neo Geo. Hein, alors je peux pas vraiment vous montrer la console, j'ai peur d'être un peu léger en câble. On va essayer quand même. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est, hop là, aussi la boîte du jeu. Donc ça, c'est la boîte du jeu dépliée, hein, ouverte. Avec le jeu, vous avez un très joli manuel. Tac, tac. Marqué Neo Geo dessus. Ouh, c'est magnifique. Voilà ce que donne la boîte pliée. C'est plus gros qu'une boîte VHS. À peu près deux fois plus gros qu'une boîte VHS. Salut Améthyste, bienvenue à toi. Voilà, donc on va commencer le live par Fatal Fury Special. Fatal Fury Special, c'est plus ou moins le troisième épisode de Fatal Fury. Donc c'est sorti en 1993, un mois avant Super Street Fighter 2. Donc un mois avant Street Fighter 2, enfin Super Street Fighter 2 plutôt. Le jeu propose 15 personnages plus un personnage caché. Ce qui est à peu près la même chose que Super Street Fighter 2. Sauf qu'il est beaucoup plus beau que Street Fighter 2, vous allez le voir. Les sprites des personnages sont plus gros, les animations sont beaucoup plus belles. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus beau que toutes les adaptations qu'on a eues de Super Street Fighter 2 hein, sur Neo Geo. Puisque la Neo Geo, c'est, comme on l'appelait à l'époque, l'arcade à la maison. Donc on va commencer une partie. Donc vous voyez, quand on appuie sur Start, on arrive tout de suite sur le choix du niveau. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de jeu. Alors moi, je suis très mauvais, alors on va jouer en beginner. Parce que le jeu, je ne l'ai pas encore assez poncé pour vraiment bien jouer. Donc on a beginner, easy, normal, hard, expert et MVS. Sachant que le MVS est généralement situé entre le normal et le hard, et ça correspond à la difficulté de la borne d'arcade. Voilà, donc ensuite on a le how to play. Donc là c'est en japonais, alors je vais vous expliquer. Le A c'est les points faibles, le B c'est les pieds faibles, le C c'est les points forts, le D c'est les pieds forts. Ensuite on peut sauter, on peut s'accroupir, on appuie vers arrière pour faire la garde. Avec A et B on passe au deuxième plan, puisque Fatal Fury se joue sur deux plans. Et avec B et C et D on fait une autre attaque. Donc voilà le roster de personnages qui est quand même assez imposant. Hein. Donc les personnages principaux de la saga Fatal Fury, on va commencer par donc Terry Bogard qui est le héros, Andy qui est son frère jumeau, qui lui est pareil, ils ont un entraînement différent, c'est pour ça qu'ils sont habillés pas pareil. Joe Higashi qui est un champion de Muay Thai. Raiden, qui se fait appeler Big Bear dans ce jeu, est l'un des anciens boss du tout premier Fatal Fury. Yamada Jubei, qui est un judoka. Chang, qui est un chinois qui a un restaurant et qui se sert de son bide pour se battre.
Kim Kapwan, qui est aussi connu puisqu'il est dans, dans King of Fighters, qui est un coréen qui fait du... je sais plus ce qu'il fait exactement comme art martial, alors là, je crois que c'est du Kenpo, mais je suis pas sûr. Ensuite, on a Mei Shiranui, qui est aussi bien connu des fans, qui est la chérie de Andy. Après, on a Doug King, qui est un New Yorkais, un peu genre un pop-punk et tout ça. Tong Furu, qui est le maître de Terry et Andy, qui les a récupérés quand Jizo Ward a tué leur père. Billy, qui est le lieutenant de Jizo Ward. Axel Hawk, qui est un des quatre boss du jeu. Lawrence Blood, qui est un autre des quatre boss du jeu, qui est un toréador, donc forcément un espagnol. Jizo Ward, qui est le boss classique de Fatal Fury, qui est mort à la fin du premier, donc là c'est un dream match, on a droit à une réapparition de Jizo Ward. Et Wolfgang Krauser, donc qui est le beau-frère de Jizo Ward, et qui est le boss de ce jeu. Boss de fin de ce jeu. Hop, voilà, donc on a fait le tour des personnages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Terry, hein. On va choisir notre premier adversaire. Alors on va éviter Andy parce que c'est ma bête noire et chaque fois je me fais défoncer. Anduk, tiens. Hop. Ah, vous allez voir, ça flash. Hein. Il y a des trucs à l'écran. Voilà, donc les coups spéciaux, c'est très simple, c'est très proche de Street Fighter. On a des quarts de tour, des demi-cercles. Ah, tiens, on a Cécile qui s'incruste. Alors les personnages, une des autres particularités de Fatal Fury, qui en plus de se jouer sur, sur deux plans, c'est aussi que les personnages ont ce qu'on appelle des Desperation Moves. Ce sont des coups spéciaux que l'on peut déclencher quand la barre de vie clignote. Donc on peut les déclencher qu'à ce moment-là. C'est aussi ce qu'on appelle des furies. C'est Fatal Fury, le premier jeu qui a mis en place les super coups spéciaux, hein, tels qu'on les connaît dans Street Fighter aujourd'hui. Alors, c'est vraiment très dur de vous parler en même temps que je... Alors un autre truc aussi qui est assez amusant avec ce Fatal Fury spécial, c'est que c'est le premier jeu à permettre le cancel. Ah, je suis en train de me faire zigouiller. je sais pas, je regarderai. Ah putain, je suis en train de me faire défoncer. Et là si tu vois, ça va être un peu dur de lire les messages là tout de suite. Alors, je vais essayer de vite en finir avec lui. Oh putain, il est pas mort le con. Voilà, c'est réglé. Alors, pour lire mes messages Facebook, il va falloir que je sorte mon téléphone portable, parce que là, ça va pas être easy comme ça. Est-ce que je vais réussir à trouver ça? Oui. Harry versus...
Allez, on enchaîne tout de suite avec Terry. Alors ce qui est marrant, c'est aussi que donc quand les personnages ont été importés dans King of Fighters, King of Fighters qui en 94 est en fait une réalité alternative à Fatal Fury ou une suite comme vous voulez. Ils ont gardé ce stage là pour l'équipe Fatal Fury, le stage du train. Vous voyez, là il m'a fait la Fury en face. Hein, et là je suis en facile quoi. Salut Arcan Juju, salut Bado Ambax. J'ai un peu du mal à lire les pseudos. Excusez-moi. Le round. Donc, salut Badoubax, salut Arcan Juju, bienvenue à vous. Donc ce soir c'est Neo Geo avec Fatal Fury spécial. Donc on a attaqué une partie en un player, en mode facile hein, pour commencer, histoire de se mettre en jambes. Alors les commandes ne passent pas non plus parfaitement là, j'ai pas vraiment l'habitude de jouer au stick non plus, c'est pas tous les jours, il faudrait mais c'est pas tous les jours. C'est lui qui a gagné. Donc là, je bouffe un crédit déjà. Et on est qu'au deuxième stage, en facile. Ça sent la loose ce live, je vous le dis. On va continuer, on va garder notre petite Terry. Donc ça va très vite, c'est... C'est très rapide. On a pris le premier round. Tu collectionnes ce support. Alors, je collectionne dans la mesure de mes moyens. Voilà, j'ai pas beaucoup de jeux, j'en ai une dizaine. J'ai certains gros jeux. Là, c'est un des jeux les moins chers de la console, Fatal Fury Special. Il coûte une trentaine d'euros. Donc oui, après, j'ai quelques belles pièces. J'ai un Last Blade 2. Il y a Fatal Fury Rollout spécial auquel on va jouer un peu plus tard dans la soirée. Oh, putain, je suis en train de me faire dresser. Après, bon, j'ai du King of Fighters, j'ai le 98, 99 et 2000. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh
enfin, en jeu cherche, c'est à peu près tout. Après, j'ai du Magicien Lord, j'ai World Heroes 2, Art of Fighting 2. J'ai un... Ah, comment il s'appelle déjà ce jeu? J'ai un Super Sidekicks 1. Voilà, allez hop. Donc voilà, une petite dizaine de jeux pour le moment. Voilà, et puis après, pour pallier au fait que bah, je peux pas tout acheter, j'ai une petite 161 en un aussi. Alors oui, je sais, pour les puristes, c'est pas bien, mais quand on n'est pas riche et qu'on peut pas tous payer, parce que les titres Neo Geo, il faut savoir que ça peut monter très haut, hein. Il y a des jeux qui coûtent plus de 1500 €. Franchement, pour, pas tout le monde peut s'acheter ça. Donc, l'alternative de la 161, ça permet de jouer au jeu très cher pour pas cher sur sa console plutôt qu'en émulation. Et en plus, ça ne détruit pas de cartouches. Contrairement comment ça s'appelle déjà? J'ai plus le nom en tête. Aux conversions, qui sont une vraie saleté. Où on détruit des jeux rares pour faire des jeux chers et les vendre à moindre prix. C'est vraiment une saleté, ces conversions. Oh, je me suis pris un de ses contres. Allez, faut que je continue comme ça. De continuer. Oh là! Salut Arcane, bienvenue à toi. Alors Arcane, toi, je sais que tu collectionnes sur MVS, donc la version arcade de la Neo Geo. Ah, écoute, il n'y a pas de problème avec les apéros qui durent longtemps, Arcane. Salut. Tu vas me payer ça, toi? Allez, je reprends le dessus, là. Ah, putain, mauvais plan. Allez, deuxième crédit qui tombe. Donc le MVS est généralement beaucoup moins cher que la ES. Hein. On trouve assez facilement des cartouches pour une 40aine d'euros maximum, plutôt entre 20 et 40 €. Il m'a chopé, l'enfoiré. Ah voilà, il m'a coupé le cou. Ah, bah, faut pas avoir peur de faire des coups faibles qui sont plus rapides. Ah, l'enfoiré. Ah, il a réussi à remonter, quoi.
Voilà. Et là, je joue vraiment dans la difficulté la plus basse. Et comme vous pouvez le voir, l'ordinateur, il n'attend pas que ça se passe. Hein. C'est pas Street Fighter où c'est la fête au village jusqu'à Bison et après. Ah putain, j'ai pas réussi à me protéger à temps. Je suis en train de me faire méchamment punir. Salut Kefflint 25. Enchanté. Eh ben écoute, ça me fait bien plaisir de voir des fans de Neo Geo venir ce soir. Moi ça fait assez longtemps que je joue sur Neo Geo. J'en avais une déjà en 2000. Et j'avais dû m'en séparer. Là, je suis vraiment content d'avoir pu en récupérer une. Allez, on va finir notre session avec Terry. On va aller jusqu'au bout. Et ensuite, on va passer à un autre personnage. Parce que là, je m'en débrouille vraiment pas bien. Il est très chiant à battre celui-là. Hein. Et on n'est que le troisième round. Oh putain, le bâtard. On attendait. Donc j'ai fait un taunt, mais c'est moi qui me suis fait ramasser. Oh, il me finit le round sur un German suplex. Ça pardonne pas. Alors Street Hoops, c'est le jeu de basket, si je me rappelle bien, de Neo Geo. J'avais joué en arcade il y a très longtemps. Après, il y a eu un moment où je jouais beaucoup sur émulateur à la Neo aussi, à un moment, mais j'ai pas pu essayer tous les jeux non plus. Oh là là, oh, c'est roost. En plus, je passe un coup sur deux, c'est une vraie fessée. J'ai pété tous mes crédits. Alors vous allez voir que voilà, il dit c'est très bien, tu t'es placé 5ème. Je réussis à me placer 5ème au tableau des scores avec 3 stages en faisant pas de furie. Allez, on reprend une partie. Voilà, on a joué 20 minutes, on a bien bloqué quand même. On va prendre May pour ces messieurs les hommes qui aiment les femmes. Hop là. Ouais, c'est un bon set de départ, KOF 94, World Heroes 2, Fatal Fury Special. Ouais, KOF 96 et 98 sont aussi dans mes préférés. Donc là on est dans le stage de la Thaïlande, le stage de Joe Higashi. Ça tombe bien puisqu'on l'a pas vu jusqu'à présent. Alors j'avais pris un peu d'avance mais là il est en train de revenir. Voilà, allez hop. Il y a Samurai Shodown 2 qui est pas cher du tout et qui est très très bon aussi, hein, Kesplint 25. Tu peux le trouver pour une trentaine d'euros aussi. Si tu veux un jeu de combat au sabre sur ta Neo, c'est vraiment aussi un très bon jeu de départ.
le saligo. J'ai essayé de lui faire la furie, mais je n'y suis pas arrivé. Salut, Aurore. Ah, faut que je reste concentré sur le combat, parce que la console, elle me fait pas de cadeau. Premier stage, je me suis fait piner, quoi. Ça, c'est dur. Alors, les vieux jeux Neo Geo, ceux qui sont d'avant 93, enfin 93-94, avant King of Fighters 94, en fait, sont extrêmement durs. Ils sont, enfin vraiment, je trouve, par rapport au jeu suivant, ils sont beaucoup beaucoup plus durs. La maniabilité est vraiment très exigeante et du coup, ça se ressent dans le gameplay. Fatal Fury 3, tu peux le trouver pour une 60aine d'euros à peu près, hein, en ce moment. Ouais, il m'a vu venir à 3 km. Allez, en au forceps, mais on a réussi à le battre. Oui, il est classe, Jizz, hein, il est vraiment, vraiment classe. Après, il est pas évident à manier. Alors, le stage de fin dans l'église... J'aimerais bien aussi, alors dans Fatal Fury Rallbout spécial, Fatal Fury spécial, on le verra. Dans celui-là, c'est moins sûr. Voilà pourquoi. J'ai clairement beaucoup à apprendre sur Fatal Fury. J'ai tendance à me faire avoir. Voilà, allez, hop, un contre qui calme. Allez, si j'arrive à le garder à distance, on est quand même en super easy. Avec un peu de chance, la routine passera. Voilà.
Alors là, c'était au pet de vie. Mais ça passe. C'était pas très classe comme victoire, mais ça marche. Bon, si sur ce coup il me fait ça à chaque fois, je vais pas être tendre avec lui. Si c'est ça la technique pour le battre, ce sera ça. Et on va pas chercher midi à 14h. Voilà. Bon, ce stage-là est pas mal passé. Allez, stage suivant. Allez, un contre à prise. Et je l'ai vu arriver. Encore un coup. Ah putain, il a réussi à me toucher avant. Ah, le salopard. Il essaye de m'avoir autant. C'est moi qui vais l'avoir. Ah, j'ai gagné au time. C'est moche, mais j'ai gagné. Ah oui, Garou Mark of the Wolves, il est bien, mais d'ailleurs, j'ai eu la chance d'y jouer sur Neo Geo chez mon ami de... Neo Geo Cult, qui l'a en original, mais au jour d'aujourd'hui, il coûte beaucoup trop cher et je ne pourrais pas me l'offrir. Le salut. Voilà, bon, on s'en est débarrassé pas trop mal. Alors, vous voyez, il y a des animations partout dans le décor, dans le fond, il y a des éléments destructibles. C'est très complexe, c'est vraiment très rempli hein, comme décor pour l'époque. C'est vraiment très poussé. Ensuite, vous voyez en bas à côté de ma caméra, alors je vais pas dire de bêtises, ça doit être par là. Il y a marqué 150 MB. 150 MB, c'est la taille de la cartouche. Alors, comme ça, ça paraît ridicule, 150 mégas aujourd'hui, sachant que c'est 150 mégabits, hein, c'est pas 150 mégaoctets. C'est très différent. Alors après, je vais pas vous faire un cours d'informatique maintenant, il est tard. Mais à titre de comparaison, les cartouches de base sur Mega Drive, les premières cartouches dans les années 90, faisaient 24 mégas. Donc c'est un cinquième, quoi. Ça permet un peu trop de mutants quand même, hein. Thank you.
Merci Oncle Chou. Après voilà, ouais, Garou Mark of the Wolves, c'est vraiment un jeu à part. Alors c'est le dernier titre sorti de la saga Fatal Fury. Mais il est quand même très différent de tous les Fatal Fury. Hein. Ne serait-ce que par le fait qu'on ne peut se battre que sur un seul plan. Allez, on va pas se fatiguer, on va le finir comme ça. Presque mort. Voilà, on s'en sort pas mal là, hein. On s'en sort pas mal du tout. Salut Sakuragi34, bienvenue à toi. Et donc je le remontre, hein, c'est la vraie, hein. C'est la vraie de vraie de vraie. Hein. Et c'est la vraie cartouche. Alors, Andy, c'est un peu ma bête noire de Fatal Fury. C'est le personnage qui me rétame tout le temps. Voilà. Allez. Bon, faut que j'arrive à le garder à distance. Pff, chaud. Très, 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 très chaud. Non, un métis, il ne me prendra pas ma console. Putain, il est passé celui-là. Allez, puisqu'il les prend, on va pas se priver. Merde, enfoiré, il l'a pas vraiment. Oh le bâtard! L'enfoiré! Il est fort ce Andy! Ah merde, ça c'était pas bien joué ça. Ah putain, j'ai raté mon coup spécial. Bon, on crame encore un crédit. Ah, et Metal Slug, oui, c'est toujours un régal. Alors, quel que soit le numéro, je suis pas d'accord avec toi. Là, pour le coup, le 4 et le 5, ouais, bof, hein. Quand on a fait le 3, c'est dur à digérer derrière. Hein. Tant que tu sors pas un stick Neo Geo X, on l'a rebranché ce week-end d'ailleurs. On la ressort régulièrement, après j'ai du retard sur mes jeux actuels. D'accord.
Ouais, c'est vrai que le 2 est plein de lags aussi, il rame beaucoup et donc le X a corrigé les horaires, effectivement, tout à fait. Allez hop, on reprend. Sixième stage, alors sixième stage sur 15, hein, il y a du chemin à parcourir et on a déjà bouffé pas mal de crédits. Sachant que là je n'ai pas de carte mémoire, donc si c'est raté, c'est raté. Il n'y a pas de feinte, hein. Oh là là, allez que je te chope. Et là aussi, comme dans Street Fighter, les priorités sur les coups, hein. Ça pardonne pas, hein. Il y avait trop de retard sur ce tour-ci. Faut gagner le dernier round. Et ce combo, il est mortel. Voilà, raté deux coups spéciaux, et voilà comment ça se termine. Andy, c'est vraiment ma bête noire dans Fatal Fury. Alors, je peux vous dire que Krauser, on l'a pas vu encore, hein. Systématique, hein. Systématique après ce coup, la chope. Voilà, j'ai pas regardé, j'ai pris 20% de dégâts, ça m'apprendra à pas être concentré. Bon, on a été plus loin avec Mai quand même. Alors, est-ce qu'on a un personnage qui vous ferait plaisir de voir jouer? Même si je le joue pas forcément super bien, sachant que les persos à charge, c'est pas mon truc. Je vous le dis tout de suite. Alors, Kim, c'est un perso à charge. Je crois que Billy peut être sympa, mais il est assez technique. Alors, je sais pas si je saurais bien le faire. Doug, c'est un perso à charge aussi. Biz, je sais plus si je sais jouer ou pas jouer. Alors. Ce qu'on va faire. Je vais prendre Kim, on verra bien comment je m'en sors.
Là, vous avez vu, je l'ai sonné, Mai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me sortir le livret avec les coups pour Kim, parce que sinon je vais me faire rétamer. Voilà, hop, petite pause. Alors, je vous montrer un peu le livret aussi. Vous allez voir, il y a de très belles illustrations dedans. Tous les personnages, voilà, les coups, tout ça. Donc, il y a pas mal de coups. Allez, on y va. Voilà, on a réussi à gagner le round. Ouais, les boîtes et notices Néo, c'est autre chose, hein. C'est vraiment soigné. Le papier est nickel. Et il y a une odeur particulière au produit Neo Geo aussi. C'est assez amusant. Alors, il y aura d'autres lives Neo Geo, hein. Là c'est le premier, Fatal Fury, mais il y aura d'autres lives Neo plus tard, donc n'hésitez pas, vous vous abonnez à la chaîne, et comme ça vous serez toujours au courant quand il y a un live. Bon, il n'y a pas que de la Neo, il y a aussi d'autres jeux rétro qui vont être faits. Actuellement, il y a aussi du Tomb Raider sur PS4. C'est assez varié, hein. J'ai l'impression que Kim tape beaucoup plus fort que Mai. Mais alors, beaucoup, beaucoup plus fort. Il a un flash kick aussi, genre. Alors oui, j'ai un Magician Lord, effectivement, ça peut être sympa de le faire. Par contre, il est très 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 dur, Magician Lord, donc avec la carte mémoire. Hein. Donc dès que je récupère ma carte mémoire, effectivement, ça peut être sympa. Je pense que ça pourrait plaire à Fred aussi de faire du Magician Lord. J'aimerais bien vous faire du Sengoku aussi, mais à deux avec un collègue. Donc ce sera soit Sparadra, soit Argol, avec qui j'aime bien faire des beat'em all 2D à l'ancienne. Surtout que Sengoku c'est bien barré. Alors, par contre, je crois que j'ai que le 1 et le 3 sur la 161, le 2 n'y est pas.
Donc je crois que j'ai le 1 et le 2 et le 1 et le 3 sur la 161 en 1 de Sengoku. Donc Sengoku 2 fera partie des jeux que je m'achèterai quand je le pourrai. Parce que bon, voilà, c'est pareil, c'est un jeu qui cote maintenant dans les 250€. Donc je l'achèterai pas comme ça du jour au lendemain, ce sera quand je pourrai. Voilà, le contre bien placé. Team est efficace. Bah dès que Fred est disponible, j'aimerais bien le faire avec lui, ouais. Sachant que il est assez dur à... Il est assez dur de trouver un créneau avec Fred, mais je pense que si je peux me rendre chez lui un soir en semaine, ça doit pouvoir se faire. Ah, c'est pas la même là, hein. Moi le mariole là, hein. Ouf. Et ça pique. Ah, là, celui qui m'a eu en contre ce round-là. Allez, on va essayer de pas se laisser faire. Oh, comment je suis passé au travers, vous avez vu ça? Passé. Bon, on n'avance pas trop mal avec ce Kim là pour l'instant. On n'a pas encore perdu un round. Ça va être le cinquième match. Mais à mon avis, contre Joe, Kim ça va être difficile. Plus il va falloir que j'accélère parce que semblant de rien on s'approche de l'heure. Aïe aïe aïe. Je me suis jeté sur lui et la punition est arrivée.
Ah, il a été plus rapide que moi. Allez, premier crédit perdu avec Kim. Après, sur Neo Geo, il y aura aussi des shoots. Hein, sur la 161 en 1, j'ai la chance d'avoir plein de trucs. J'ai Asso 2, Last Resort, Pool Star, Blazing Star. Donc, c'est des choses qu'on fera. Alors, pas avec les cartouches originales puisque c'est cher, mais avec la 161. Donc là, on est bien sur cartouche originale. Bonjour, Jex B. Bienvenue à toi. Je suis en train de me faire rétamer sur Fatal Fury spécial. Comme je le pensais, Joe, il est moins facile à battre avec Kim. La priorité du coup de pied, du petit coup de pied par rapport au coup spécial. Et vous avez vu comment il m'a attendu derrière le... Oh là là, ce jeu est sans pitié. Non, version originale Neo Geo, la vraie de vraie. Là, on est sur... regarde, c'est de la cartouche, hein, c'est RBS. Et tout à l'heure, c'est RBS qu'on fait. Donc, ah bah, j'ai arrêté le truc. Donc, hop là, bon, on va reprendre. Alors, histoire de rigoler, on va voir en normal comment je me fais désosser. Alors, je vais prendre Mai et je peux vous dire que vous allez voir que le niveau est tout à fait différent. Oui, on est sur AES, JXB, tout à fait. Sur de la vraie AES. Et je peux vous dire que je vais me faire punir vite fait, bien fait. Alors je suis la maille en rouge, hein, pour que vous soyez pas perdus. Oui, les cartouches 161 en 1, ça se trouve assez facilement. Généralement, c'est vendu entre 50 et 80 euros, à peu près. Pas plus que ça. Après, il faut acheter le petit adapteur MVS pour AES. Ça coûte aussi une cinquantaine d'euros, à peu près. Encore là.
Allez, je vais prendre un round. Avec vrai plaisir, avec un grand plaisir, Sakuragi34. N'hésitez pas hein, à partager les lives de Beat'em All, que ce soit les miens, ceux de Florian, ou ceux de Anenisha et Aurore qui vont arriver bientôt. Je crois qu'il y a aussi Lolomaru qui va pas tarder à nous faire du live sur certains jeux. Franchement, n'hésitez pas à partager ça avec vos amis, à venir partager ça ensemble hein, sur nos chaînes. Et là, je suis qu'en normal, alors j'ose pas imaginer en hard comment ça se passe. Et on va le tester, le hard. Il nous reste 4 minutes, et je sais que je vais me faire atomiser. On va faire du mode difficile. Allez, carrément expert, soyons fous. Et c'est là qu'on voit que la marge de progression dans ces jeux-là, elle est énorme. Allez, tiens, on va prendre Joe, histoire de changer un peu. Vous allez voir que je vais pas toucher Canette. Hein. Ah, il a aussi son multi-coup de poing. Oh là là, la fessée. Allez hop. Voilà, hop, vous voyez, je saute, il m'attrape en l'air direct. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de pardon, ça punit tout de suite. Alors, qu'est-ce... Moi, la mienne, je l'ai prise sur eBay de 161 en 1. Après, tu peux aussi les trouver dans des magasins spécialisés Neo Geo. Il y en a plein en France. Alors, je saurais pas t'en donner un là comme ça, mais tu en as sur Marseille, sur Lyon, sur Paris. Enfin, il y a pas mal de trucs qui te vendent de la Neo 161 en 1. Ça se fait. J'ai raté mon coup, j'ai pas chargé assez longtemps, paf, la fessée elle est derrière. Oui, j'ai les deux Sakuragi 34. J'ai du AOF 2 et j'ai du Samurai 2. Alors vous voyez, quand il me fait les boules de feu, ça me bouffe un tout petit peu de vie. Donc je peux pas rester à encaisser les coups, hein, il faut aller de l'avant. Voilà, ça passe à travers les boules. C'est un peu chiant parce qu'il faut le charger, mais ça passe à travers les boules. J'ai à peine réussi à le mettre dans le rouge une fois là, mais il m'a mis une fessée d'enfer quoi. Allez, on va essayer un autre personnage. Non, la qualité de 161 en 1, effectivement, c'est pas trop ça. Mais pour 50 euros, je trouve que ça vaut le coup quand même. Hein. C'est pas non plus foufou, mais... Mais ça vaut vraiment le coup pour des jeux comme Blazing Star ou des trucs comme ça. Ou de toute façon, on va vous vendre une conversion qui aura donc donné la mort à un jeu. En plus, un bon jeu généralement, puisque c'est... C'est du Fatal Fury 3, c'est du King of Fighters 98, c'est du Samurai Shodown 3 qui se fait dépecer pour pouvoir faire des conversions. Et il faut vraiment pas encourager ça.
enfin là, cette grosse punition, mais c'est sans pitié. Hein. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas le niveau pour jouer en expert. Oui, ça permet de commencer pas cher, et puis ça permet aussi de tester les jeux, de se faire une idée aussi. Enfin voilà, il y a plein de petits jeux très sympas. Et puis aussi, il y a aussi des jeux MVS qui n'existent pas hein, sur la AES, qui sont disponibles sur 761 en 1, notamment le Bomberman de la Neo Geo, les puzzles de pont, les puzzles bubble. Donc quelques petits jeux comme ça. Il y a aussi un très bon shoot qui s'appelle Prehistoric Hills le 2 qui est disponible. Voilà. Donc bah écoutez, il est 22h. On a fait notre bonne heure de jeu sur Fatal Fury spécial. Donc je vais vous laisser 5 minutes. On va faire une petite pause, le temps de boire un coup et tout ça. Et puis ma foi, on va se faire après du...